coupe le temps. Ouais, 5 minutes. Appel dans 5 minutes pour les 20-29. En cinquième, Dina qui passe devant nous.
Francis, elle a une arrivée sur ma sixième. C'est le 5. Là. C'est 35. Alors on va aller voir ça un petit peu sur le vélodrome parce que c'est la grosse bagarre qui est lancée avec les concurrents. Est-ce que la tête de course est passée là? Viens, pas encore. Il est un peu plus vite que moi, hein, c'est normal, ils sont jeunes. Alors Samuel, on l'a toujours en tête, hein, est-ce qu'il est là? Ah, ça n'a pas eu son limite pour l'instant. Oh là, il en met un petit coup. Ah, c'est une guerre d'intimidation en ce moment entre ces deux concurrents. Allez, 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 allez. Qui courent pour encourager soit leur fiancé ou leur futur fiancé, peut-être, on ne sait pas, de tous les cas, elles sont repassées. Alors franchement, je ne peux pas vous annoncer quel sera le vainqueur, c'est impossible. Alors donc, on a aujourd'hui un joli plateau. Alors allez, Victor qui passe devant nous, Victor, on ne lâche pas Victor. Qui nous vient de la Vendée, qui a fait le déplacement. Certains, la jeune du... Tanoui qui est pas loin, Antoine, allez. C'est les deux équilibres, mais semble bien s'en sortir Lucas, qui nous vient de la Dordogne. Allez Lucas, allez on y va. C'est bien Lucas. Donc là, ils sont passés au planche ou pas la tête de course? Par exemple, Milor, il vient d'abandonner. Ah, ça revient. Et je te rappelle des cas du jour. D'accord. Tant qu'il l'envoie, il garde le moral derrière, bien sûr, et c'est normal. Ça fait partie du jeu. Est-ce qu'il va changer de jeu? Non, mais il va changer de jeu, Samuel. Allez Samuel, allez Samuel, allez Samuel, allez Samuel. Que ces jeunes garçons vont nous faire une démonstration. Attention quand on traverse, parce que moi c'est pareil. 7. Allez, maman. 8. Faut envoyer les chevaux. 9 et 10. Hey, Jérémy. Voilà, ça passe le prochain tour. Allez, Flo, allez, allez, allez. Un deuxième position à la course, c'est pas joué. C'est Lydia Lou. Qui est parti à mauvaise posture derrière, Jean-Labert revient. Allez Thibaut, allez, allez, allez. Alors qu'est-ce que j'ai? 1, 2, 3. Tout le monde a donné ce qu'il y avait, quoi. Parce qu'on ne peut pas laisser le plus important, hein, tant pis que les résultats sont pas là, alors bien sûr, on a construit quelques-uns.
Ce championnat est plus de 60 ans. Donc, en tête, on a Samuel. Jean-Baptiste, maintenant, il faut y aller parce qu'il faut rattraper, il y a quelques places à gagner certainement. Allez, et puis également Jérémy a de bonnes qualités. Il a besoin de se refaire un peu la cerise et peut-être sur quelques mètres sur le goudron et puis rematiner une petite. Certainement ce qui va se passer tout à l'heure. On a en tous les cas, je sais pas ce que c'est un petit malaise. Donc mais si on a été dit. Allez, Thomas Barreil des Pyrénées, qui Pyrénées-Atlantiques, qui fait également du VTT puisqu'il était présent à la mode Saint-Péret. Ah voilà, mais ça va bien. Vous avez vu passer la tête ou pas? Oui. Allez, je t'envoie. Allez, le coureur de l'Oise avec Kevin. Allez, c'est bien, madame. Allez, j'en vais, Gironde. 41, vas-y. Allez, madame. C'est
Également, Benjamin Gélabert de la Gironde, à qui n'a pas démérité et qui n'a pas pu. Voilà, on va attendre quelques instants, on va accueillir les coureurs ici. Et donc, pour le troisième, Florian, la nouvelle délégation du Nord. Deuxième, Lilian Louis de la Creuse. Et le vainqueur, Samuel Pontreau, le Pégaronne. On n'oublie pas les coureurs qui franchissent la ligne d'arrivée que je vous demande d'applaudir également. Merci, c'est pour eux les applaudissements, c'est pour eux. Podium, s'il vous plaît. Félicitations. 42. Voilà, dans quelques instants, pour qu'il n'attrape pas froid justement, parce que derrière, il y a la cérémonie protocolaire. Et ça l'aurait bien fait. Ah, après, c'est une course d'un jour, on peut pas dire que les gens méditent. Ouais. Bon, et le circuit, lourd, pesant, fatigant? Oh, très bien, moi j'aime bien quand il faut envoyer un peu de bras, mais moi, là, il manque un peu de chance et c'est tout. Ouais, on l'a vu, hein. Très très fort. Le deuxième, Lilian Louis de la Creuse. Ah, ils sont tous venus de la Creuse, tu vois, pour... En tout cas, félicitations, je te le dis comme je le pense, en tout cas. Comment ça s'est passé pour toi? Parce qu'on t'a vu quatrième, cinquième, puis après revenir, donc... Ben, déjà, je suis parti assez loin sur le départ, vu que j'avais le 236. Ouais. Donc j'ai fait un gros départ, et à mi-course, j'ai un peu payé, donc c'est là que j'ai un peu coincé, mais bon, j'ai rien lâché jusqu'au bout, j'y ai cru. Voilà, il faut rien lâcher, c'est ce que je disais ce matin à quelqu'un, je dirais pas de nom, j'ai dit, le vélo, c'est là. Bien sûr, mais c'est là. Voilà, il faut... Deux instants, je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour le champion national des 29, Samuel Pontreau. Vous le connaissez? Un petit peu, madame, vous le connaissez, le monsieur, là? Le jeune homme? Bon, eh ben, on va discuter avec lui, en tout cas. Bon, ça s'est bien passé, très bon départ. Tu nous racontes la course? Parce que nous, on n'a rien vu. Mais j'ai fait un très bon départ, première bosse, j'ai réussi à passer, il y en a beaucoup qui sont restés... Tu passais là? Oui, ça. Tu passais à vélo ou pas? Ah non, le premier, non, il passait pas. Et à un moment, je me suis retourné et j'ai pas compris, j'avais pris quelques mètres d'avance. Et après, ben, toute la course, j'ai géré plus ou moins. C'est facile, hein. Franchement, au niveau de non, du développement, je sais pas ce que t'avais comme braqué, mais ça tournait bien, ça avançait, quoi. Oui, j'avais les jambes qui tournaient bien. Ouais, bon, c'était un jour avec, et j'ai réussi à ne pas faire de faute, et voilà. Hey, voilà Alain qui va te remettre également, donc, ici, le maillot bleu, blanc, rouge, avec Ward Design, donc le partenaire de l'UFOLEP national pour ce maillot tricolore, donc, de champion national adulte masculin des 2029, très très beau podium que l'on retrouvera tout à l'heure lors de la cérémonie protocolaire. Mesdames et messieurs, je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour ce dernier podium de la journée. Faites du bruit! Voilà, on va aller...